Yop les frérots, je vous prends avant que la vidéo ne commence, vous connaissez la chanson. Je voulais simplement vous remercier, j'ai mis ma page Utip exprès en fond. C'est justement vis-à-vis d'Utip et vis-à-vis de l'implication, je sais pas comment dire ça, mais t'as compris, le soutien que vous m'apportez, etc. Durant le dernier live, c'était un truc de ouf. Je vous ai déjà remercié, mais je continue de vous remercier. Vous avez regardé plus de 200 publicités en un live. Donc je sais même pas ce que vous êtes capable de faire en un mois. Je suis sûr que vous y a moyen d'atteindre des trucs du style 1000 pubs, un truc de déglingo. En tout cas, un gros big up. Et c'est justement à l'issue de ce live, et j'ai même eu une question sur Utip, genre en message Utip, qui me parlait justement du Pimp My Ride et les raisons pour lesquelles j'avais arrêté. Alors il n'y a aucune raison. J'avais arrêté parce que voilà, c'est tout. Je voulais passer à autre chose, changer de délire. Mais je me suis dit pourquoi pas le reprendre, et c'est une manière aussi de vous remercier. Donc là, je vais faire en sorte, petit à petit, mais de toute façon, c'est expliqué dans la vidéo, de satisfaire tout le monde. Mais voilà, je voulais aussi revenir sur un petit délire. C'est IG Vote. Je l'affiche pas forcément à l'écran, mais je l'ai fait un peu grâce à, justement à leur site. Parce que j'achète des clés que j'utilise directement. Donc moi, ça me facilite un peu le travail. Je dois pas genre acheter les clés, attendre 7 jours et puis faire la vidéo. Non, je l'ai fait sur un coup de tête. Et merci IG Vote. Donc ça fait grave plaisir. Pour ceux qui ne savent pas, oui, vous pouvez acheter des clés. La somme que vous voulez, vous pouvez acheter 5 clés, 3 clés, 10 clés, 15 clés, les utiliser directement et pas attendre 7 jours. Et en plus, c'est moins cher que sur le site. Mais il faut utiliser mon code promo de 6%, donc c'est pas rien. Et en plus, il y a des points. Si vous achetez plusieurs fois, après, vous pouvez utiliser des points et diminuer à chaque fois le montant à payer. Bon, voilà, c'est juste une petite info. Prenez-la comme vous voulez. En tout cas, un gros big up, un grand merci à vous, j'ai vote pour m'avoir aidé. Et puis, j'espère qu'on va aller. On va attendre déjà les 1000 likes et je pense que c'est faisable. Parce que qui dit 1000 likes dit deux fils, un épisode 2 encore plus énervé que celui-là. Enfin, un épisode 2, un épisode 6, parce que c'est le 5 aujourd'hui. Bon, allez, bon visionnage, je vous tiens plus et un grand merci. Ciao, ciao. Yup, tout le monde, c'est ouais, j'espère que vous allez bien, les frérots. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé, que j'ai pas repris cette série. On s'était arrêté à l'épisode 4. N'hésitez pas, il y aura la petite fiche en haut à droite, le petit i, le point d'exclamation. Vous cliquez, il y a les 4 précédents épisodes si vous avez envie d'aller checker ce qui avait été fait auparavant. Et ça date, hein. Et ça date, hein. Et les anciens, ils s'en souviennent. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de le reprendre. Durant un live, il y a un gars qui me l'a demandé. Tout gentiment, je me suis dit, c'est vrai que ça fait longtemps que je vous ai pas offert. C'est aussi une manière de vous remercier. Aujourd'hui, les PC seront à l'honneur. J'essaierai de tout cœur de le faire pour PS4, malheureusement pour les Xbox, encore une fois, vous allez me détester, je le sais, vous allez certainement disliker et c'est pas du tout mérité si vous le faites parce que j'ai pas d'Xbox donc je le fais pas, c'est tout. Si j'avais une Xbox, j'aurais fait l'effort de le faire pour vous parce que au départ, le but principal c'est de vous faire plaisir. Voilà, j'essaie quand même de faire plaisir à un maximum d'entre vous. Il y a eu des votes, il y aura certainement un screen. Des votes, j'avais lancé un petit post sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre les gars, à vous abonner, etc. Mais j'avais demandé pour avoir une petite idée, vous avez tous répondu de votre petite console pour la plupart, et un petit pourcentage avait quand même répondu, wesh écoute, peu importe le concours, peu importe la console par rapport au concours, moi je te remercie quand même de faire tout ça. Ça veut dire que le gars il pourrait être sur Switch ou sur Xbox, il sait bien qu'il aura rien à gagner, mais ça le fait plaisir quand même de me voir vous faire plaisir au final. Donc gros big up à eux, les autres, bon je vous en veux pas, mais encore une fois ça prouve que vous êtes vraiment des apaches, vous êtes vraiment des gros rapaces, hein, ça c'est sûr et certain. Mais bon, ça me fait quand même plaisir. Aujourd'hui, épisode 5, Pimp My Ride, il n'y a pas de thème, la prochaine fois on fera un thème peut-être pour les autres consoles, mais j'ai une petite parenthèse parce que j'ai parlé un petit peu trop vite, j'ai des restes, ouais j'ai des restes, il y a quelqu'un qui, certains ont vu ma story sur YouTube, j'ai des petits restes sur PS4, donc je me suis dit, voilà, pour pas mettre sur le côté les jours PS4, il y aura un petit 20XX, une petite endo blanche, des roulettes blanches et une petite explosion de but, il me semble que c'était une explosion de but de glace, voilà, je vous les ferai gagner, pareil, hein, il faudra faire la même chose que pour PC, et puis bon, rien les gars. Vous pouvez aussi bien tenter sur PC, hein. Si vous avez un PC, même si vous jouez pas dessus, le fait d'avoir les items, c'est déjà quelque chose. Si un jour le trade est possible en interconsole, au moins vous avez vos items. Moi je dis ça, je dis rien. Bon allez, les gars, c'est simple, on va procéder comme suite. Déjà, je vous montre ma petite voiture. Voilà, elle est stylée, avouez qu'elle est stylée. Si vraiment, vraiment, si vraiment vous avez envie que je vous la fasse gagner, moi je pourrais, franchement, j'irai chercher les items s'il faut. Je peux vous la faire gagner. Alors encore un dissolvant à gagner, mais c'est pas trop grave. Merde, j'ai spoilé la vidéo. Bon ouais, c'est vrai, il y aura un dissolvant dans la vidéo. Voilà, je vous le dis, ça va arriver. Je crois que j'ai décidé, hein. Mais normalement c'est dissolvant au dieu du feu, je sais pas encore. Mais en tout cas, si vous la voulez, bombardez de likes et dites-le moi en commentaire. Je pourrais faire un épisode encore une fois spécial du Brésil. Ça faisait longtemps et je vous fais gagner une voiture que j'aurais confectionnée. Donc il y aura vraiment un sacré vénard, j'ai envie de dire. Bon allez,
Beep My Ride, c'est prêt, le preset est prêt. Je reçois des notifications parce que c'est des gens qui ont répondu présent. Alors je vous montre un petit peu. Il va y avoir du spoil, mais on s'en fout. J'ai posté tac ici dans le trade PC. Donc c'est sur le Discord, hein. Les gars, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a les règles ici. Vous lisez les règles. La première phrase, elle dit directement. Lisez les règles attentivement. Ensuite, contactez un modo. C'est les membres de la Katsuki. Donc Badjo, Duino, Tomessi, Gader ou Sifties. Ce sont les modérateurs du serveur que je remercie toujours pour leur travail. Je vous kiffe. Ils vont se foutre de moi après, mais je vous kiffe quand même. Donc voilà, il y a les règles, tu les lis. Et après, tu reçois le grade Apache. Il est là, le grade Apache, tu vois. C'est le grade qui te donne officiellement les clés. Pas les clés, mais en tout cas, tu fais officiellement partie du Discord. Ensuite, tu descends un petit peu, tu vois. T'as plein de salons, mais ça, il faut faire partie du Discord pour bien tout comprendre. Et tu as le trade PC. Donc là, tu vois, je suis venu. Je spoil pas, tu vois. Tu pourras faire pause, mais on s'en fout. J'ai dit ce que j'avais besoin. Et là, il y a tout le monde qui m'a. En plus, dédicace, merci Teki. Il a dit qu'il allait voir s'il avait des petits doublons pour que je puisse lui acheter. Donc voilà, et on n'oublie pas surtout le principe. Donc déjà, grosse dédicace à vous, je vais tout de suite vous choper les frérots. Les gars, le principe de cette série, c'est quoi? Je prends un budget. Là, j'ai prévu... Attendez, je vais vous montrer. Normalement, j'ai prévu 40 clés. Mais j'en ai pris 50, on sait jamais. Je sais pas où elles sont les clés, ici. Ah, j'en ai 50. Mais on sait jamais que ça déborde un petit peu ou que je parte sur un petit délire de dernière minute, de dernière seconde. Donc voilà, j'ai prévu 50 clés et c'est des clés que je vais uniquement acheter chez mes abonnés. Donc en fait, j'achète des clés moi, je vous donne les clés contre des items et puis je vous refais gagner ces items. Vous voyez un peu le délire? C'est tout pour vous. Voilà, je suis désolé, la vidéo d'intro est très longue, mais j'avais besoin de le faire. En tout cas, on est parti. Alors, la première étape, très simple hein, les gars, la voiture. Alors j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, soit une Nimbus, soit... Pour rester dans le thème en tout cas, la Guardian GTX. Et franchement, je me suis dit, la Guardian GTX quand même elle a de la gueule. Donc aujourd'hui en tout cas, je vais partir sur une Guardian GTX. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais claquer du doigt et on va se retrouver avec un abonné qui va me la vendre tout simplement. Allez, à tout de suite. Alors les frérots, j'ai déjà trouvé, ça va super vite, c'est insane. C'est pour ça que ce Discord, il me fait plaisir juste pour cette série. Ça a été vite, j'ai déjà presque tous les items d'organiser. Donc là on est parti, Guardian Orange. Ça a été décidé, je l'ai décidé. Et j'espère que ça vous plaira, sincèrement j'espère que ça vous plaira. En tout cas je compte sur vous les potes. J'insiste parce que les vidéos précédentes, allez checker. Il y a plus de 1000 likes pour chaque vidéo, c'est insane. Alors pour le prix. Je lui ai dit que j'ai été voir, c'est rl.insider pour ceux qui veulent. Je mettrai, si j'oublie pas, le lien dans la description. Alors, ce Rocket League Insider. Alors, pour les prix sur, sur PC. Donc, du coup, la Guardian en orange vaut entre 1,25 et 1,75 clés. Donc, on peut dire, c'est 1,50, on arrondit deux clés. Voilà, on va lui mettre 2K, c'est bon. Hop, thanks. Je vous montre quand même le site pour ceux qui veulent. Il a mis, en vrai, je m'en fiche du prix, je peux te le donner direct. Non, non. Ou attendez, parce que s'il me le donne, j'achète une autre voiture, tu vois ce que je veux dire? Le but c'est de donner des clés, le but c'est de vous faire plaisir quand même avant tout. Donc attendez, on va faire comme ça, regardez un petit peu. Donc voilà. Hop, le prix de la Guardian Orange GTX. Donc elle est bien entre 1,25 et 1,75. J'espère que vous voyez mon écran. Hein. Je suis même pas sûr. Mais j'espère que vous le voyez. En tout cas, regardez. Tu vois, elle est plus ou moins. Elle est une à deux clés. Donc ça, c'est à décider entre les traders. Quoi. Donc lui, on va lui donner deux clés. Hop, on va lui filer deux clés. C'est bon, c'est bouclé. Et j'espère que ça lui fera plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Il me demande si elle vaut deux clés, oui. Hop, donc le but aussi c'est de vous faire plaisir, hein. Je l'ai dit. En fait c'est vraiment votre série, hein. C'est vraiment votre série. Attends, on dirait qu'elle est Terre de Sienne. Imagine, il m'a arnaqué. Là, je sais qu'il le fera pas parce que je le connais un minimum. C'est des gens qui sont très... Enfin des abonnés qui sont très... Non, elle est bien orange. Putain, pendant un moment j'ai hésité. Allez, je vous file la frimeur, ça me fait plaisir. Voilà, c'est quelqu'un de très actif sur le Discord, donc ça fait plaisir d'en plus lui filer des clés. Il voulait la donner gratuite, mais on va pas profiter. Hop. Allez les gars, je claque des doigts et on avance sur les roues. On va attaquer les roues. Vas-y, les roues, let's go.
Alors, on est reparti. J'ai enfin trouvé un acheteur. Ça a été difficile. Il y en a qui sont dispo, mais qui sont pas dispo tout de suite. Donc, c'est très difficile de les avoir un peu comme on a envie. Donc là, il les a. Je me suis... Allez, j'ai discuté avec lui. Tu vois, j'étais un peu précis parce qu'il y en a qui ont les roues, les grip side, mais pas en inversé. D'ailleurs, je vous ai pas dit quel roue j'allais prendre, mais vous allez le voir tout de suite. Je vais l'inviter. Hop, maintenant, il me le fait. Bah, j'ai dit, hein, c'est les grip side inversés. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je suis même pas sûr. Je vais lire. Du coup, attendez, parce que moi, je dois voir le prix, justement, de ces gripsides. Donc là, on va ouvrir le site. On va aller checker, hop, le temps qu'ils mettent. Comme ça, on lui annonce le prix. Voilà. Alors, la plupart, ils veulent me les offrir. Alors, moi, évidemment, je refuse. Hein. Je vais, franchement, dans la mesure du possible, je vais toujours refuser si je suis large en termes de... Comment dire c'est des gripsides ici. Je crois que c'est des inversés. Je sais pas c'est lesquels. Ouais, bah c'est celle-là, hop. Donc là, elles valent une clé 5 ans. Donc, est-ce qu'on peut dire 2 ou une clé je vais voir, je vais lui demander ce qu'il veut. Moi, dans mon budget, j'avais prévu 2. Je vais lui mettre 2 clés. Ça te va? Bon, a priori, ça devrait lui aller. En tout cas, j'espère. Hop, on lui met les 2 clés. Bangs. J'ai pris le prix. J'ai pris le prix, vous avez vu un peu? Ouais, vas-y, t'inquiète. Sur, je vais quand même le dire, hein, RL... Insider, je crois que c'est comme ça que ça s'écrit. Hein. Ouais, c'est ça. Point GG, je vais mettre. Pour ton info. Et merci. Et je dis merci au nom de vous qui regardez la vidéo aussi. En tout cas, ça me fait plaisir. Dites-moi si la prochaine fois vous voulez que j'invite en vocal la personne qui trade. Voilà, ça lui permettra aussi de passer une petite dédicace ou des choses comme ça. Oh, c'est stylé. On va les équiper. Elle commence à ressembler à quelque chose. Là, ça commence à être intéressant. C'est déjà beau gosse, hein. On n'a pas encore fini évidemment, mais ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, hop. Bon, on le laisse, hein. Je vais mettre plus, comme ça il comprend. Maintenant, qu'est-ce qu'on va aller chercher? Si on procède dans l'ordre, c'est vrai que je devais aller chercher un mystère illégal. Bon, on a été chercher les roues, on va aller chercher le boost. Alors, je vous ai prévu un petit boost qui va super bien aller avec la voiture. Vous allez voir tout de suite. Alors j'espère quand même que ça vous plaira. Allez, je claque des doigts, on se retrouve avec mon trader, à tout de suite. Alors j'ai enfin trouvé, ça devait être mon modo, mais finalement non, étant donné qu'il répond pas, donc moi j'ai besoin, c'est du tac au tac, j'ai pas envie de perdre de temps. Il me ramène avec ses potes, attends, c'est celui avec qui j'ai trade tantôt je crois. Ah ouais, c'est Dadas, bah, c'est juste avant, bah écoutez, bah voilà, hop lol, re, écoutez, c'est celui-là, c'est ce boost là, c'est celui du Rocket Pass actuellement, et c'est le Super Manga Bolt 3, il est juste stylé. Vous allez voir tout de suite, attendez, normalement j'ai checké pour le prix de ce boost, alors c'est ici, alors, on est bien sur une clé, voilà, 0,75, donc on va lui donner une clé, let's go, hop, évidemment, on va lancer sur une clé, ne vous inquiétez pas, là vous êtes en train de vous dire, le mec il a rien gaspillé, il a déjà presque tous les items, le mystère des cas, il coûte cher. Bon allez, let's go, j'espère que ça lui fait plaisir. Je vais mettre merci. Alors il sait bien hein, le prix, j'ai été les chercher. J'avais informé tout le monde. On va équiper, regarder un petit peu ce que ça donne pour l'instant. On est vraiment sur un puzzle, hein. Ça c'est clairement ce qu'a dit un abonné. Moi perso je le trouve stylé. Je trouve que c'est un des plus beaux. Il est vraiment stylé, franchement il est beau gosse. Alors j'aurais pu le sortir dans une autre couleur. Mais l'orange là c'est pour qu'il aille avec les roues. Et vous allez voir le dissolvant. Il va tout changer. Non, parce que je vous le dis, je vais chercher un dissolvant. Mais là, on va chercher une petite explosion de but. Je cherche encore, j'hésite. Évidemment, j'en ai. Attendez, ma vitale a changé, on va checker. Alors là, je suis en train de réfléchir sur quelle explosion de but je vais partir. Je suis pas forcé d'en prendre un, hein, parce que bon, c'est pas non plus... oh, stylé. C'est pas non plus le truc allez, que tout le monde raffole. Mais quand même, si je peux partir sur une éruption solaire bleue, cobalt, ça peut être stylé. Je crois qu'il y avait aussi le Singularity. Alors je sais plus à quoi il ressemblait. Alors les frérots, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque très clairement hein. Il nous manque cette explosion de but et un mystérie décal. Donc là on va aller chercher celui que moi je trouve le plus beau pour cette voiture, vous allez voir tout de suite. Vous allez voir ce que ça donne. Mais ici j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit qu'un en orange comment dire, un force résort orange pourrait bien donner. Je sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'on va partir sur ça parce que l'éruption solaire c'est beaucoup trop dur à trouver. Allez, je claque des doigts, on va trouver un acheteur. Évidemment, toujours en dédicace. Let's go.
Alors les frérots, on est déjà de retour. J'ai trouvé un acheteur. Alors franchement, j'abandonne l'éruption solaire en bleu et le Force Razor aussi parce que je me suis dit, oh, je préfère encore vous offrir un mystery, enfin une explosion de but version mystery que celui du Rocket Pass, parce que celui du Rocket Pass, vous pouvez toujours le débloquer, tandis que l'autre, il faut ouvrir des caisses, etc. Donc je pars vraiment sur cette idée de vous faire vraiment plaisir au maximum. Donc vous allez voir tout de suite, ça va arriver, t'inquiète la guinguette. Alors j'ai prévu, pour les prix, le temps qu'il arrive, on va discuter, donc ça c'est bon, ça a été acheté, j'ai prévu de lui filer le prix actuel. Donc il a été pendant un moment 27-28 clés, et il est aujourd'hui à 30-31 clés. Donc je prévois un petit 31 clés avec, du coup c'est pas éruption, bah si, éruption solaire mais en normal. Du coup on est sur du 2 clés, hein. Donc on va lui filer d'office 33 clés. J'espère que ça lui fera plaisir. Il est déjà là. Allez, on va lui changer et ce sera fait. Invité à échanger, let's go. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaît. Dans la conception aussi, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à donner des idées toujours pour améliorer un peu le concept. Ok, Google. Stop. Je ne sais pas pourquoi il parle. Donc, 31 clés pour le dissolveur. Je crois qu'on dit dissolvant. Et du coup, c'était combien de clés pour l'éruption solaire? Ça te va? Normalement, s'il me dit oui, et normalement il va dire oui parce qu'il a été voir en même temps que moi, je pense, les prix. Ouais, no problem, let's go. On va lui mettre let's go. Et un gros big up à lui. Donc on part sur 33 clés. Let's do this. J'espère que cette vidéo, je l'ai dit encore, hein, vous plaît. 33, qu'est-ce que je fais? Hop, 33 clés. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Dans la conception, etc., je l'ai dit, n'hésitez pas à donner des idées. La voiture, elle va se faire là tout de suite, t'inquiète pas. Il va y avoir des couleurs, ça va être beau gosse. Tu vas tout de suite capter ce sur quoi équiper, tellement c'est beau. Oh là là, et équiper. Alors regardez un petit peu la beauté. On va tailler comme ça, je suis tout seul. Alors regardez un petit peu le délire. Alors vous allez voir tout de suite, on va se mettre dans un bleu foncé comme ça. Moi personnellement je kiffe, hein. Voilà, ça c'est juste mon délire, tu vois, avec un petit orange des familles, moi perso, franchement c'est un trop bon délire. Malheureusement ici j'ai un petit bug, donc moi dès que je mets du bleu ça donne pas terrible, donc ici à la limite vous restez tout en orange ou avec du blanc, c'est, ça cartonne quoi, franchement ça cartonne. Ça, je crois qu'on peut même mettre du noir pour faire le délire avec les roues. Donc là on est vraiment sur une voiture qui j'espère vous plaira, que ce soit en bleu ou en orange. Là le bleu, attendez, je peux peut-être le mettre un peu plus foncé. Un peu comme ça. Là je trouve que ça passe vraiment bien avec du coup les roues, donc les Gripstride HX. On a un petit boost qui passe vraiment crème avec la voiture. Je sais pas si vous voyez un peu le délire, je crois que si je me mets en orange. Non, franchement elle est juste trop belle. Alors j'ai pas choisi top. Voilà, si vous avez des idées, la prochaine fois peut-être je partirai sur des ailes de phoenix et tout. Mais là pas trop fan. L'éruption solaire que j'ai trois fois du coup. Mais qui est orange du coup, qui passe bien. Et alors la traînée, mais ça je vous l'offre parce que c'est chiant à trouver. La traînée ici en normal, et vous allez comprendre pourquoi en normal tout de suite. Il y a cet effet un petit peu bleu et orange. Bon après vous allez changer, vous faites ce que vous voulez. Mais ça je vous l'offre, voilà, comme ça. Parce que en orange, tout en orange, il y a un petit peu de jaune. Quoique, ça peut donner comme ça. Mais alors, je l'ai plus pour moi du Brésil, les gars. Donc, ça va falloir décider. Bon, en tout cas, en normal ou en orange, on verra bien sur le moment. Mais je vais laisser comme ça, tiens. Ouais, je vais laisser comme ça. Je trouve que ça donne super bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu dans son ensemble. Donc, je fais une grosse dédicace à tous ceux avec qui j'ai fait des petits échanges. Je vais pas les citer parce que je vais en oublier, même si on n'a pas eu beaucoup. Mais une grosse dédicace à vous. Je vais quand même me mettre côté bleu. Parce que moi c'est comme ça que je la kiffe. Alors, franchement je la trouve mais juste trop belle, hein. Personnellement je la trouve juste trop stylée avec les roues et tout, je kiffe ma race. Voilà, donc j'ai dit, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bombardez de likes, je pense qu'on peut faire 1000 likes, je vous le dis clairement. Je pense que vous en êtes capable, c'est juste que vous n'êtes pas chaud de temps en temps. Mais là j'aurais besoin de voir si vous êtes là ou pas. Les précédentes vidéos vous faisiez les 1000 likes, donc là je pense que vous êtes chaud. Elle sera gagnée sur PC, il y aura également une voiture à gagner sur PS4.
Tout est dans la description, il y aura un lien, je crois que ça s'appelle Glim, machin et tout. Donc n'hésitez pas à aller checker, il vous faudra liker, il y aura sûrement un tweet qu'il faudra retweeter, etc. Donc en fait c'est juste des choses qui vont augmenter, des éléments qu'il faudra faire et qui vont augmenter vos chances de gagner. Voilà, certains vont me dire j'ai pas Twitter, c'est juste une chance en moins de gagner, mais ça veut pas dire que tu vas pas gagner. Hein. La dernière fois quelqu'un a gagné et il avait rien fait de tout ce qui était dispo. C'est juste que je mets ça pour augmenter un petit peu la visibilité et en tout cas moi ça me permet d'avoir plus de visibilité aussi. Faut quand même que j'y gagne quelque chose. Mais bon, ça c'est une petite parenthèse. En tout cas, un gros big up à tout le monde. La prochaine fois, on va essayer de se concentrer sur PS4. Là, j'ai fait gagner un truc sur PS4 parce que ça me faisait plaisir. C'était des items que j'utilisais pas. Mais la prochaine fois, on va vraiment se concentrer pour les joueurs PS4 et en faire une belle voiture. On partira donner des idées. Donner des idées, il y a les commentaires. Donner des idées et je vais conceptionner, ça se dit ça ? Confectionner une voiture vraiment stylée. Et pourquoi pas une double Brasil sur les deux consoles. Je sais pas, je vais essayer de voir. Comme je vous ai dit, j'avais une petite double Brasil là, je vais vous la montrer. Est-ce que ça vous plairait une voiture comme ça? Mais il faudra mettre beaucoup de clés, hein, donc ce sera certainement pour le prochain, du prochain épisode. Donc voilà, bon c'est pas trop grave, on verra. Laissez un like si vous avez kiffé, et laissez un like surtout pour me soutenir. N'hésitez pas, il y a ma page Utip, ça a été fait en collab. C'est pas vraiment un collab, mais j'ai été acheter mes clés sur IGVOL, je crois que je l'ai dit en début de vidéo. Donc déjà merci pour leur rapidité parce que j'ai pu faire ça en moins de 1 heure. Au total j'ai mis 1 heure, vous aurez certainement une vidéo de 15 à 20 minutes, hein, un truc super court. Et moi j'ai fait 1 heure, donc en 1 heure j'ai reçu les clés, ils me les ont livrées, j'ai pu échanger avec les abonnés. Tic tac, franchement ça s'est fait sur Discord. Donc n'hésitez pas aussi à rejoindre mon Discord et à lire les règles aussi, etc. Ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Hein, mais bon, ouvrez surtout la page les commentaires pour aller checker comment gagner cette voiture sur PC. Je crois que j'ai tout dit d'avance. Un grand merci à tous ceux qui vont me soutenir. Je vous kiffe. Et merci toujours pour vos petits messages sur Utip. Merci pour vos petits messages en commentaire, pour vos encouragements. Ça me fait plaisir et ça compte beaucoup. Ça donne de la support. Ça donne vraiment de la support. Allez, on se capte au prochain épisode. J'espère une prochaine vidéo. Donnez des idées. J'en ai besoin. Et puis c'est tout. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye, plus. Yo.